Hello, hello tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Je tenais à vous présenter cet outil, pas comme les autres. Certainement, vous avez déjà suivi dans une vidéo quelconque. Il faut trouver sa niche, il faut se positionner dans un bon marché, c'est bien beau. Mais tant de niches qu'on peut retrouver sur Internet, souvent on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut choisir sa niche. Alors, cet outil appelé List of Niche. Bon, listofniche.com répond à ce besoin-là. Donc, c'est un outil alimenté avec l'IA 100% gratuit. Donc, vous pouvez rechercher tout simplement votre niche ici. Si par exemple, vous souhaitez vous lancer dans l'affiliation, alors n'hésitez pas, vous trouverez dans la description de cette vidéo le tout premier lien pour. Bon, vous formez dans l'affiliation, avoir plus d'idées sur le marché des niches, mais par contre, dans cette vidéo, je vais répondre avec cet outil. Bon, je pense que je vais également faire une mise à jour de ma formation concernant la recherche des niches, parce que cet outil est vraiment formidable. Ici, nous avons la liste de plus de 1000 niches que vous trouverez, que ce soit en local, sur Internet. C'est vrai, c'est beau et ça peut être également tentant de vraiment connaître et avoir toutes ces niches, mais la question qui se pose, c'est dans quel marché est-ce qu'on va se placer ou comment trouver une bonne niche. Je vous dis déjà, les amis, toutes les niches qui sont ici sont déjà saturées. En fait, bref, peu importe le marché que vous allez vouloir vous lancer sur Internet, quelqu'un a déjà fait quelque chose là-dessus. Donc, ce que je recommande en 2024 et les années à venir, c'est de se positionner dans une sous-niche. Par exemple, la niche de la 3D au niveau du dropshipping, ça cartonne. Il est important de noter ces différents aspects. Et si par exemple on veut faire la recherche sur ce marché, on va simplement cliquer ici sur recherche et l'outil va s'en charger de faire quelques analyses pour nous concernant ces niches ce marché. Et nous allons voir les sous-niches de ce marché et plusieurs autres métadonnées de ce marché qui vont nous permettre en fait de prendre notre décision. Est-ce que c'est une niche rentable? Est-ce que c'est un bon marché? Est-ce que ça en vaut la peine de se lancer là? Donc, autant de questions qu'on peut se poser de ce marché. Mais pour moi, je vais simplement aller au niveau du Richard. Le plus intéressant, mais avant de faire du Richard, vous allez d'abord cliquer sur. Donc, sur ce petit engrenage qui est Setting, et vous allez entrer votre clé OpenAI, c'est gratuit. Donc, l'outil va juste utiliser OpenAI pour pouvoir écrire donc, des sous-niches. Prenons l'exemple de la niche de la perte de poids. Donc, une fois qu'on a entré notre mot-clé, l'outil s'en charge directement de faire quelques petites recherches là-dessus pour nous. Donc, perte de poids, les hashtags par exemple sur Instagram, YouTube. On peut par exemple cliquer directement ici Go. Donc, l'outil va aller sur YouTube pour rechercher tout ce qui est concernant la perte de poids. Et on peut déjà avoir une idée de ce marché, mais c'est même pas ça qui nous intéresse le plus. Le plus intéressant pour moi ici, c'est de trouver des sous-niches. Parce que, bon, une niche, par exemple, comme la perte de poids, c'est une niche déjà vraiment rentable sur Internet. Mais en se positionnant directement dans ce marché, ça peut être vraiment très concurrentiel. Donc, d'où le fait où il est important de se positionner dans une sous-niche. Donc, je vais cliquer sur sous-niche. Et l'outil ici avec l'IA donc va s'en charger de me trouver les sous-niches dans la perte de poids. Par exemple, je peux lancer par exemple un blog ou une chaîne YouTube ou bon créer un compte TikTok, je ne sais pas trop. Par exemple, sur le régime cétogène, je peux parler du jeûne intermittent et uniquement ça. Je peux me positionner dans le marché par exemple de perte de poids après la grossesse. Je peux me positionner sur le marché des personnes qui sont vraiment occupées en utilisant par exemple mon avatar client vraiment spécifié que j'ai trouvé au préalable à ce sujet, alors je peux me positionner dans ce marché et je peux me positionner aussi dans le marché de perte de poids pour les adolescents qui n'arrivent pas par exemple à se passer de tout ce qui est ce qui est sucrerie. Donc, vous avez la perte de poids pour les seniors, perte de poids sans exercice. Donc, ça sont les sous-marchés.
Et bon, vous pouvez par exemple prendre un mot-clé comme ceci, utiliser des outils en ligne comme Ahrefs, Free Keyword Generator, pour pouvoir un peu analyser par exemple votre marché. Je mets par exemple là régime cétogène, je peux cliquer sur recherche de mots-clés, ou je peux simplement prendre cet outil Keyword Tool et IO pour rechercher par exemple mon marché. Donc je vais rechercher par exemple, si vous ciblez, vous positionnez sur Pinterest, alors vous allez prendre Pinterest pour pouvoir voir les mots-clés qui sont généralement tapés sur Pinterest sur régime cétogène. Ou si vous voulez avoir la trend, vous allez simplement cliquer sur trend. Si vous voulez être sur YouTube, alors si vous voulez être sur Instagram, Twitter et TikTok, donc vous allez choisir. Mais si je vais prendre par exemple ici, je vais prendre par exemple Google et je vais choisir la langue French, français. Et je vais simplement cliquer pour savoir ce que les gens demandent dans le marché du régime cétogène. Donc, le temps que l'outil s'en charge de me faire une analyse du marché, alors on va retourner sur l'outil ici et on peut voir qu'on a également d'autres outils ici. On voit qu'on peut rechercher aussi également une similarité. Bon, régime sans sucre, ça peut être une niche où on peut avoir également des sous-niches, parce que là, on a la similarité au niveau des niches. Et on a ici, bon, je vais un peu cliquer là, Broda niche, donc les niches apparentées. On a la nutrition, on a la santé, on a tout ce qui est la diète. On peut également analyser notre marché, donc on peut voir que. Le régime cétogène, bon, on a quelques métadonnées à ce sujet. Bon, si vous ne vous en sortez pas trop en anglais, vous pouvez simplement traduire. Parce que ici, j'ai choisi régime cétogène. Donc, j'ai fait une analyse. Et cet outil, par exemple, ce bouton va vous permettre de choisir une niche au hasard. Parmi tous les niches ici, parmi tous les plus de 1000 niches. Alors, je vous dis, les amis, cet outil vraiment, c'est une mine d'or pour tous ceux qui souhaitent faire de l'affiliation ou lancer un business sur Internet. Ceci va vous permettre de gagner énormément en temps et également en argent, parce que en perdant du temps, en cherchant dans quel marché est-ce qu'il faudrait que je me lance, quelles sont les niches auquel je peux gagner de l'argent avec sur Internet, alors ça va vous prendre énormément de temps. Alors cet outil va vous permettre donc de répondre à ce besoin-là. Donc si je retourne à ce niveau, nous pouvons voir qu'au niveau de résine cétogène, nous avons plus de 448 mots-clés dans ce marché. C'est à vous de voir si vous pouvez pas, si vous voulez par exemple connaître la difficulté de certains mots-clés. Parce que ici, avec cette version gratuite, je n'ai pas la difficulté des mots-clés, tout est caché. Donc, je peux prendre par exemple régime cétogène tout simplement. Je vais venir à AF ici pour avoir la difficulté du mot-clé. On me dit par exemple, bon, j'ai choisi ici la France pour le régime cétogène. Et vous pouvez voir qu'on me dit la difficulté du mot-clé. Bon, c'est quand même facile. Je peux ranker là-dessus. Je peux écrire des articles dessus. Je peux faire des vidéos YouTube et ranker là-dessus très facilement. Donc, à chaque fois que vous allez trouver un mot-clé ici qui vous intéresse sur Keyword Tool IO, vous allez juste récupérer ce mot-clé et vous allez venir ici rechercher la difficulté de ce mot-clé-là, tout simplement. Donc, les amis, c'est tout pour cet outil listofniche.com. Et bon, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Allez regarder, explorer cet outil. Donc, c'est vraiment formidable et entièrement gratuit. Et trouvez votre niche et lancez-vous sur Internet. Si vous souhaitez en savoir plus dans tout ce qui est affiliation, vous trouverez ma formation offerte dans la description de cette vidéo. Merci.